Bonsoir à tous et à tous, et voici la suite de la pièce de théâtre Les Vacances. Alors Marcel, c'est bien, rien. Aujourd'hui on s'entraîne, aujourd'hui on a gagné la finale du bowling. Ouais. Demain c'est la finale du billard, hein. Faut pas l'oublier hein, Marcel, rien. On est premier, on a été premier et on a gagné la finale de la pédale. Ça fait une semaine supplémentaire. Mais on est premier et on a gagné la finale du bowling. Donc, une deuxième semaine gratuite faite par la maison. Maintenant, il faut gagner la finale et être premier au billard pour gagner la troisième, et puis la quatrième, et puis la cinquième. Ouais, c'est important. Parce qu'il faut la frite. Hein. Et non, pas de pipe. Parce que c'est de la bière avec alcool. Hop là. Voilà. Bon. Et donc voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, maintenant, ah oh oui, t'as vu. Monsieur Silence, il n'y a encore rien, il n'y a encore rien avec la blague. Voyons. Ah, ça, c'est Milou, il m'a léché. On a que c'était pipi, mais c'est pas du pipi, c'est Milou qui a léché mon short. Il en manque, hein. On manque d'amour, mais. Pourtant, j'en ai plein d'amour, hein. Bon, sur la chaîne de Milou, oui, c'est ça, sur la chaîne de Milou, de Milou, faisait un don pour les animaux, hein, n'oubliez pas. Hein. Bon, allez. Et donc, donc j'ai raconté une blague à Monsieur Silence. Et sur la chaîne de ma belle-sœur aussi, votez pour l'homme, peut-être. Faisait un don pour les animaux. Donc voilà. Et donc, il a bien rigolé, hein, Monsieur Silence. Ah ouais, hein, il a bien plu, hein. Ça l'a bien plu, hein. Ouais. C'est plus, il a encore plu, hein, je vous dis. En Belgique, une fois, je vous dis. C'est grave, hein. Ah bon, funny. Grave, hein, en Belgique. Quand il pleut, hein. Bon, et donc, nous allons raconter une blague. C'est un aveugle, enfin un moine voyant et un sourd. Ouais. Donc, le malvoyant jouait, lui, il était les yeux de l'aveugle, parce que l'aveugle était aveugle, et l'aveugle était les oreilles du, voilà. Ouais. Alors, ça fait un style, t'as vu? Oui, j'ai vu. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est très beau. Et t'as entendu le bruit? Ah oui, j'ai entendu le bruit. Mais est-ce que t'as déjà vu ta femme? Oui. Ah. Moi non. Pourtant, moi je suis pas aveugle. Hein. J'ai jamais vu ma femme. Hein. Comment ça se fait? Je suis pas encore marié, c'est pour ça. Oh non. Mais il a plu. Ça l'a plu, il a. Enfin, il a aimé, voilà, parce qu'il a plu, en fond de la pluie, enfin, il a plu, les nerfs ont quand même fait pipi, hein, bon. Donc, on va, oui, on va changer de fusil d'épaule. On va dire, il a aimé, voilà. Dans le mot aimé, il n'y a pas le mot pluie, bon.
Donc il a aimé, et moi aussi j'ai bien aimé. Enfin, la blague que moi je lui ai racontée, il a bien aimé. Et la blague que lui a racontée à moi, moi je l'ai bien aimé aussi. Donc voilà. Ça faisait. Enfin, il ne fallait pas qu'il me racontait. C'est l'histoire d'un type. Il va dans une église. Enfin, mais c'est pas que ça est, non, il sait pas que c'en est une. Non. Enfin, ça, c'est bien fait. Hein. Même dehors, normalement, une église, ça se voit de dehors. Mais lui, enfin, lui, il était tellement entendu lire son journal qu'il est rentré à l'intérieur de l'église. Il n'a même pas vu qu'il était dans une église. Et il s'assied. Et le garçon, et le cœur dit, non, 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 ici c'est pas un hôtel, hein. Non, c'est pour boire, c'est pas un café non plus, hein. Non, pour manger, c'est pas un restaurant non plus, il fait ainsi, hein. On est où aussi? Vous êtes dans une église, monsieur. Et ouais, il a aimé, moi aussi je l'ai aimé, voilà. On a tous aimé ça, hein, c'était bien. Ah, mais il fallait, hein. Ah, mais il a aimé, hein. Ah, ouais, hein. Ça l'a bien aimé, hein. Ah, ouais, hein. Il a bien aimé, hein. Ah, yeah. Et puis on a rigolé, rigolé, rigolé comme des baleines. Ah, ouais, hein. Qui est différent entre une baleine et une machine à bloc? Côté poids, aucun. Mais pour le reste, oui. L'un vit dans la mer, l'autre vit sur terre. Voilà. Ah ouais, Marcel. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Et j'ai même dit à Monsieur Bruit, à Monsieur Silence, vous avez vu Bar Driver, hein? Au plus il mérite, au plus on le voit. Moi, il me répond, ouais, mais pas ce qu'il a à dire, faut mieux plus le voir. Hein? Et ça va en plus. Hein? Et donc voilà. Parce qu'il est le seul trou de balle. Bar Driver est le seul trou de balle. À croire que la femme va se tenir liée avec les Pays-Bas, et ça va, hein? Faut être dans la bouteille, hein? Déjà, c'est une langue de merde, cette langue-là. C'est le vrai flamand, il se parle en Belgique, hein? Pas, hein? Bon. Donc voilà. Et, ah ouais. Et donc voilà, votre nom veut rien de Pays-Bas. Ils sont nuls. Ouais. Mais eux, comme ils sont très bas, quand il pleut, il y a plus de pluie chez eux que chez nous. Hein. Ils sont plus bas. On dit bien le Pays-Bas, donc ils sont plus bas. Hein. Voilà. Bon. Et bon, ouais. Enfin, ça c'est le football. Maintenant, on les appelle les Hollandais, la Hollande. Ah ouais. Mais la Hollande, ça fait penser à Monsieur Hollande, hein, l'ancien président. Ah ouais. Mais lui, il a jamais dit que la Hollande. Il a jamais demandé à la Hollande pour que son pays, la France, soit alliée. Ah non. S'il avait demandé ça, ça serait devenu un fou allié. Ah ouais. Bien. Et donc, Monsieur Silan, il a bien plu. Ça a bien aimé, voilà. Il a bien aimé. Ah ouais. Il a bien aimé polonais.
Il va pas naître. Et donc, il m'a aussi raconté quelques blagues, lui a raconté des blagues, j'ai raconté des blagues, lui a raconté des blagues, vraiment. Et donc, ça l'a bien plu, ça, il a bien aimé. Alors, buvez ça, c'est de la pas citron, c'est comme ça. Bon, allez. Ah oui, je l'ai fait sur la. Ah, maintenant, je l'ai fait sur la sociologie, ça me tant pis. Buvez ça, c'est de la c'est comme ça. Voilà. Une fois sur le système, une fois sur la tablette. Bien. Bon. Mais là, vous la voyez sur les deux. La bouteille, oui. Elle est tellement grande. Voilà. C'était très bon. Bon. On continue. Ma poule. Yeah. Bon. Et donc, je disais. Ah oui, donc, je disais donc. Que monsieur. Ah, monsieur. Oui, ça. Mais non, monsieur. Non, ça va, c'est. Ah oui, c'est ça. Madame Silence. Non, Madame Bruit et monsieur Silence. Voilà, c'est ça. Quel nom, hein, franchement. Bon, bref. Et donc, monsieur Silence, lui, il m'a raconté ce qu'il faisait dans la vie. Parce que même, il est pensionné. Hein. Ah, ouais. Eh ben, il était pharmacien. Ah ouais. Non, attends. Non. Ingénieur en pharmacie. Voilà. Ouais. Moi, je connais bien un ingénieur en médecine. Donc, voilà. Pourquoi pas un ingénieur en pharmacie. Hein? Bon. Donc, lui, c'était un ingénieur en pharmacie. Et sa femme était une ingénieuse en cuisine. Donc, tu vois. Alors, ouais. Ah non, c'est pas la même chose, hein. Ah non. Quoique, s'il y a un plat, s'il y a une ordonnance à préparer à la cuisson, elle peut la faire à sa femme. Donc, voilà. Et donc, voilà. Et donc, il a compté tous les médicaments qu'il vendait. Les trucs qu'il vendait, tout. Ah, il a vendu plein de choses. Hein. Ah, ouais. Parfois, ça arrivait qu'il vend la même chose à tous ses clients. Même à des clients qu'il avait jamais vus. Ah, ouais. Même aux clients qui. Ah, ouais. Il y a même des clients qu'il connaît très bien. Ah, ouais. À chaque fois, il dit, mais t'es déjà venu? Ah bon, t'en es sûr? Ouais, mais il avait perdu la tête, il avait oublié, hein. Son patient avait oublié, mais c'était bien grand. Hein. Non, ouais. Non, funny. En tout cas, pour Madame Bruy, ça va. Même si quelqu'un a oublié ce qu'il avait mangé, c'est pas grave. C'était bon de manger la nourriture de Madame Cuisine, de Madame Bruy. Ouais. D'ailleurs, son fils, c'est son fils hein, qui est le cuistot du restaurant. Hein. Ah, c'est pas ça. C'est le fils de Madame Bruyant. Ah, ouais. Ah, son fils est cuistot. Hein. Ah, ouais. Non, c'est pas un ingénieur. Non, il a pas fait assez d'études pour ça. Mais. Et bon, on dit toujours que les enfants suivent le chemin des parents. Ben c'est vrai pour certains. Hein. Pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est vrai. Bon. Et donc, il avait. Enfin, elle m'a raconté ça. Voilà. Mais elle avait une fille. Ouais. Et sa fille. Son métier, c'était bricoleur. Ouais. Une inventeuse, voilà, ça, une inventeuse de bricolage.
Une ingénieuse en bricolage, c'est ça. Une ingénieuse en bricolage. Voilà. Alors, ouais. Et son cousin devint bruit. Lui, il avait des chiens, mais bon, il disait des chiens pour aveugles, et ça, c'est des chiens pour la grossesse. Mais c'est vrai, ça existe. Donc, tu fais sentir à ton chien l'alcool. Si tu as trop bu, il recule de ça. S'il n'y a que de 5 mètres, t'as compris que tu t'as plus pour le volant. Hein? Bon. Hein? Rien. Mais Milou ici, c'est pas un chien pour être à côté, ça. Ah non. De toute façon, il a respiré. Il a sauté dans la main, hein? Rien. C'est grâce à ça qu'il détecte si t'as trop bu. Hein? Ah ouais. Après les chiens aveugles, voilà les chiens de la côte est. Pour voir si la personne n'a pas trop bu. Ah ouais? Ah, c'est bien. Hein? Et donc ça c'est le cousin. Ouais, ça. Oui, le cousin. Qui faisait ça. Ah ouais? Ah ouais? Non, mais c'est bien. Hein? On s'est bien amusé quand on était jeune. Ah oui, vous êtes toujours jeune, hein? Même si on a des cheveux gris, hein? Moi, j'en ai pas parce que je vais l'éteindre si jamais j'en ai, mais bon, c'est pas grave. Là-bas, pas besoin de l'éteindre, hein, non? Un bon coup de rasoir, et hop là, on la voit plus, elle est niquée, elle est partie, hein? Bon. Et donc, voilà. Bon. Hein? Et donc, j'ai ma peau qui s'en va, je joue dans. Je vais bientôt faire la nouvelle version de VMA, ça continue ici. Bon, bref. Bon. V, le film V. Enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas grave. Hein. Laissez tomber. Mais quand je dis laissez tomber, ça veut pas dire ça. Hein. Bon. Hein. Bon. Hein. Bon, soyons sérieux. Hein. Et donc. Madame Bruy, elle a bien aimé. Hein. Hein? Et à chaque fois qu'elle rigolait, elle pétait. Hein? À chaque fois qu'elle rigolait, une prout, et ça, allez. Et je m'en rends, elle a fait un concerto ici. Mais c'était bien, hein, au moins. Hein. C'est bien amusé. Hein. D'ailleurs, c'est pas fini. Hein. Demain, il y a notre finale de billard. Hein. Ah ouais, Marcel, faut pas l'oublier, hein, celle-là. Ah non. Faut gagner tout le. Faut... On a gagné le premier prix, un voyage, un séjour de supplémentaire. Hein, donc, c'est un semaine supplémentaire. Maintenant, hier, on a gagné la finale de bowling. Maintenant, voilà, avec 2 semaines supplémentaires, il faut que la troisième soit le cas aussi, hein, au moins. Il y en a 5 en tout. Ah, on est premier et on a gagné la finale de la pétanque. Maintenant, on a gagné la finale et on est premier au bowling. Aujourd'hui, il faut gagner la finale et être premier au billard, ça fera 3. Puis, il faudra gagner la finale, être premier au baseball. Puis, il faudra gagner la finale, ça fait 4. Le cinquième, il faudra gagner la finale. Au foot en salle, voilà. Non, au mini-foot, pardon. Au mini-foot, c'est ça. Au mini-foot, donc voilà. Faut pas l'oublier. C'est important. Ah, et ça fera 5.
Et on a gagné 5 jours, et on a gagné 5 semaines supplémentaires. Ah, mais c'est bien. On est parti le 1er juillet. Hein, Marcel, bon. Hein? On est parti ici le 1er juillet, c'était un jeudi. Maintenant, on est au mois goût. Oh, au mois d'août. Ouais. Ouais, ben, le mois d'août, il n'est pas très doux, hein, aujourd'hui. Bon. Bon, hein. Donc, ça fait déjà une. Ouais, il faut que je barre les jours. Sinon, on va se trompeter. Rien. Rien. Rien, l'Afrique. Et l'Afrique là-dedans qui va avec. Rien. Aïe. Aïe. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. On donne le 2. Donc, ça fera. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fera 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on reviendra le 9 octobre si on arrive à gagner le premier. Les cinq premiers, les autres derniers prix, enfin, premier prix à gagner. Voilà. Donc, il faut s'y mettre à Marseille. Il faut gagner la finale du volume, du billard et tous les autres qui vont avec. Hein. Bon. Ah, ben, c'est important, Marseille. Bon. Et donc, on avait, donc, voilà. Ah, mais c'est bien. Hein? Bon, évidemment, c'est un peu. C'est bien, tu n'as pas été au taquet. C'est bien. Tu vas au taquet qu'après. C'est bien. Non, mais c'est important hein, d'aller au taquet après que pendant. Imagine que tu vas au taquet pendant la finale. Et tu vas au taquet. Et puis tu vas double, triple. Puis tu vas des éléphants roses volés. Puis tu vas des éléphants avec une cravate. Mais bon, ça veut dire que t'as bu un coup dans le nez. Hein. Ça veut dire que t'as un coup dans le nez. Hein. Donc il faut pas aller au taquet avant. Il faut aller au taquet après. Moi je vais toujours au taquet après, jamais avant. Ouais. Au taquet, ça veut dire aller à l'apéritif. Hein. Bon. Oui, il y a le taquet, taquet, et le taquet apéritif, et le taquet, taquet. Oui, je sais. C'est pas grave. Et puis, il y a aussi la chanson sur le taquet. Ça va. Bon. Un Marcel, ça va. Hein. Bon. Il y a la blague aussi sur le taquet. Hein. Mais celle-là, elle est vieille comme le monde. Hein. Aujourd'hui, on dirait une montagne. Bon. Et donc au paquet, au taquet, enfin, maintenant plus, hein, être au taquet. Ah non, bah non, pas maintenant.
Parce que il a la journée billard. À Lyon. Ah, mais le format, ça, là. À Lyon. Ah, c'est sûr. Hein. Ah, ben, bien sûr. Hein. Ah, mais non. Et puis, sur l'île, il n'y a que deux saisons sur les îles, à part celle en Angleterre. Celle-là, il n'y a qu'une seule saison. La saison de la pluie passée, la saison de la pluie présente et la saison de la pluie de l'année prochaine. Tu vois? Bon. Mais là, il y a deux saisons sur les îles. Chaud, dans les îles des pays chauds. Oui, il y a deux saisons. Le printemps et l'été. Oui. L'hiver et tout ça, c'est dans le nord de l'Europe, hein, pas dans le sud de l'Europe. Hein. Bon alors. Hein, bon. Dans le nord de l'Europe, il y a l'hiver. Il y a l'automne. L'hiver. Le printemps et l'été. Il y en a quatre. Voilà. Voilà. Même si un jour il se met que à pleuter et rien d'autre, on aura quand même les quatre saisons. Peut-être pas en température, mais on aura quand même les quatre. Bref. Voilà. Un jour, on sera bloqué sur deux saisons. Ouais. On est déjà bloqué. Ah, bloqué. On a déjà éliminé une saison sans le savoir, enfin pas nous, mais la nature. L'hiver, on l'a déjà eu, mais l'automne, hein, il était long, hein, et puis, et puis parfois il n'y en a même pas. Non, on passe déjà à l'hiver, hein, avec des feux déjà encore sur les arbres, mais c'est déconné. Hein. Bon. Alors, hein, et le printemps, hein, en 2020 et en 2020, en 2019 et en 2020, hein, le printemps, là, hein, ça fait deux fois que le printemps passe à l'été et qu'il n'y a même pas de printemps, et on n'a même pas eu de printemps à cette époque-là, hein, c'est vrai, hein. Maintenant, avec toute la flotte qu'on aura, maintenant les saisons sont peut-être complètes, hein. Enfin, quoique. Mais moi, j'ai jamais froid. Mais un été comme ça, hein, c'est un été avec des températures de printemps, hein. Bon. Mais moi, j'ai jamais froid, hein. Même au printemps, j'ai jamais froid, hein. Mais bon. Mais pas bah, t'as fait la chèvre. Le chèvre à un moment, ça fait le même bruit. Hein. Il bégayait et il baille tous les deux. Non, pas bégayer. Baille, il baille. Un mouton, ça baille. Ça baille. Donc ça baille. Hein. Le cheval, il mue. Bon. Le chien, il aboie, bof, bof. Le chat, miaou, miaou. Non. Le singe, lui, il crie, ouh, 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 hein, bon. L'être humain, il devient fou. Ah ouais, bon. Et donc voilà. Et donc, voilà. Pas le bras, mais pas connaître. Alors, je lui parle. Voilà. Certains humains, quand ils parlent, c'est pour dire des âneries. D'autres humains, quand ils parlent, c'est pour dire des conneries. D'autres humains, quand ils parlent, il faut mieux donner des voix dans sa bouche. Parce qu'il y a des autres qui connaissent, qui sont vieux comme le monde ou qui n'existent même pas encore. Ok, peut-être jamais. Bon. Hein? Bon.
donc voilà, c'est ça la frite, hein, fricadelle. Bon. Et donc voilà. Et alors, la suite de la PCA en forme de sketch, les vacances, c'est pour demain. Et maintenant, place au concert. Qui va venir chanter? Pas danser, hein? Chanter. Je vous ai demandé de faire les deux, vous avez dit non, on va en faire qu'un truc. Alors voilà, hein? Un seul truc, c'est chanter, hein? Bon. Ah, qui va venir baiser, chanter? Toi, déjà venu chanter? Oui. Toi aussi? Non. Non, il me semblait. Qui en a déjà venu chanter? Toi? Ouais. Et lui? C'est pas grave. Vous allez revenir chanter. Il faut chanter, hein, polonais, hein. Voilà. Moi déjà chanté, c'est pas moi. Vous êtes presque tous passés polonais. Les petits, quand je vous donne, on ne les voit pas. Je vais quand même pas mettre Franklin et sa soeur, hein, on ne les verra pas. Ils sont trop petits. Bon. Et ce demi-loup, les verra, mais eux, ils veulent pas. Donc voilà. Bon. Ah ouais, hein. Bon, encore un. Ici, vous. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Ah, ils sont tous là. Donc on va écouter votre concert. Ah voilà. Qui a commencé. Boum, ça n'est pas plus bas. Qui a commencé plus tôt que prévu parce que bon, ça va mieux. Mais jusque quand, hein? Bon. Donc, je préfère qu'on commence maintenant. Voilà. Alors, vous êtes prêts, les gars? Oui. Bon, bah alors, on vous écoute. Hein? Ah oui, c'est juste. J'envoie le tempo. Le tempo. Donc, je fais le compte à rebours. Hein? Donc, je compte. Hein? Dans le côté jusqu'à 0, je démarre à 1. 1, 2, 3, 4. Eh, on vous entend pas là, c'est pas normal ça, hein? Ça veut dire quoi ça, hein? Bon. Ah ouais, hein? Allez, allez, on vous entend pas, hein? Il faut chanter, hein? Il faut pas avoir peur, hein? On va pas vous en, hein? Bon. Ah oui, on est prêt. Bon alors, allez. Allez, vous écoutez? Ah oui, voilà, c'est. Ah oui, c'est ça, ouais. Nous sommes tous nés avec le cancer, mais il faut éviter qu'il s'agrandisse. Il faut toujours penser à sa santé. La santé, c'est important. La santé, c'est important. Il faut toujours penser à la santé. La santé, c'est toujours important. La santé, c'est très important. Il ne faut jamais passer à côté de la santé. La 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 la. La santé, c'est important.
La santé, c'est important. Il ne faut pas rigoler avec ça. La la li, la li, la la. C'est déjà tout. Mais vous verrez ça. À moins qu'on remette une couche en plus et que tout le monde revient. Non, non, non. Mais bon, il n'y a pas moyen de faire qu'au final. Au final, là, si. C'est-à-dire que tout le monde dans le fauteuil. Mais voyez, vous, on ne voit déjà pas, hein. Comment ça? Non, on voit qu'à moitié. Il y en a, si je mets un là. Si j'en mets un là, on ne le verra pas. Si j'en mets un là, on ne le verra que sur la table, que sur le GSM. Hein. Ah ouais. Ça pue. Ah ouais. Dans le bouquet final, je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais c'est pas pour maintenant, de toute façon. Non, non. Bon. Hein, bon. Mais on va s'arranger. Polonais. Hein, bon. C'était très bien, votre chanson. Je l'ai bien aimé. Ah ouais, hein? Donc maintenant, vous allez nous chanter encore une autre chanson. Ouais. C'est bien. Que le concert continue! Et vous allez nous chanter quoi comme chanson? La chanson du soleil. Hein? Alors, tant mieux, parce qu'on en a besoin. On sera en 2020, je vous dirais non, on en a eu de trop. On sera en 2019, je dirais non, on en a eu de trop. Mais là, en 2020, on n'a même pas eu assez de soleil. Donc, voilà. Ah ouais. En 2021, on n'en a pas eu assez. Hein, en 2021, du soleil. Hein, on n'en a pas eu assez. Du soleil. On est trop d'eau et pas assez de soleil. Ah ouais. Ouais, mais elle a même donné de l'eau à des fruits et des légumes qui n'ont même pas besoin de trop d'eau. Ouais, mais elle est folle, la nature. Bon. Allez, on vous écoute, hein. Ah oui, le code en bout de nouveau. Ouais, on a pas chaque fois, il fallait quoi? On bourre à chaque fois, hein. Ah, vous voulez quand même. Vous savez, c'est ridicule, hein. Mais bon, si vous voulez, vous le faites, hein. Bon. Allez, je le fais. 1, 2, 3, 4. Le soleil, quand je me lève, il me fait sourire. Le soleil, j'aime le soleil. Le soleil me donne envie de me promener. Il me donne envie d'aller chanter et de danser. Le soleil, c'est important. Le soleil, c'est important. Il me faut du soleil. Le soleil, c'est important. Tant. Le soleil, c'est important. Le soleil, c'est important. Le soleil, c'est important. Le soleil, c'est important. Ah oui, pour 2022, vous allez faire quoi? On est en train de réfléchir. Ah, mais tant mieux. Pour le moment, on fait le spectacle, le concert, c'est juste. Allez, on continue. Le soleil, c'est important. 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 C'est bien, vous chantez très bien, les gars. Allez, on continue. Le soleil, c'est la joie et le bonheur. Le soleil, c'est la joie et le bonheur. Ta la la, ta la la ta, ta la la, ta la ta ta. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie et le bonheur. On danse, on chante, on se promène. Quand il y a du soleil. C'est déjà fini. Ah ouais, Johnny, elle est courte, hein. Il y a des longues et des courtes, hein. Ouais, ça, j'ai remarqué qu'il y a des longues et des courtes, hein. Avec vous, c'est plus des courtes et des longues, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, hein, on continue. Encore, comment ça, encore? Allez, je rajoute un autre.
qu'on va même pas sur le GSM. Et qu'on va... Attendez, on va faire l'inverse. On va faire comme ça. Voilà. Allez les gars, on vous conserve. On vous écoute. Qu'est-ce que vous chante? Ce que vous voulez, pour le nez. Allez. Allez-y. 1, 2, 1, 3, 4, 12. Allez. On a inversé la parole d'une chanson qu'on ne connaissait pas par cœur, mais maintenant on la connaît, mais c'est pas la A. Ah. Non, vous avez changé, oui. On vous écoute. Hein. Comme d'habitude, je me lave. Comme d'habitude, après me laver, je vais travailler. Comme d'habitude, après le travail, quand je rentre, je suis fatigué. Comme d'habitude, ma femme me demande ce que j'ai fait pendant mon travail. Moi tellement fatigué, j'arrive même pas à lui répondre. Je m'endors directement, comme d'habitude. Nani, nananani, nananani, comme d'habitude. Sans bruit, je regarde la télé. Il fait déjà dehors, comme d'habitude. Ma femme, elle travaille la nuit. Donc j'en profite pour regarder la télé toute la nuit. La, 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 la. Et le matin, quand je me lève, comme d'habitude, j'ai du mal à me réveiller. Comme d'habitude, ma femme, elle, quand je reviens là, la journée, le matin, comme d'habitude, elle me dit, comme d'habitude, tu as encore été dans mes tards, comme d'habitude. Et moi, je lui réponds, et j'ai en ai profité que tu sois pas là pour regarder la télé, comme d'habitude. Comme d'habitude, ma femme, elle commence à crier, comme d'habitude. Et moi, je lui réponds, il faut pas t'énerver, ma chérie, comme d'habitude. Et là, je lui roule une pelle, comme d'habitude. Ça la calme, comme d'habitude. Nani, nanani, nanana. Allez-y, continuez. Comme d'habitude. Elle dit, c'est bien, tu m'as calmé avec ta pelle. Nanani, là. Et comme d'habitude, le soir, on se couche comme d'habitude. On fait l'amour comme d'habitude. Et on fera semblant d'être malade pour le week-end comme d'habitude. C'est bien les gars, c'est très bien. Et ben voilà. Allez, au revoir les gars, au revoir. C'était très bien. Magnifique. Rien. On va te remettre ta médaille, tranquillement, médaille à moi. Parce que j'aimais bien ça, je veux de la pétanque. Et bon. Et ta casquette. Voilà. Monsieur l'avocat. Moi, c'est le deuxième avocat. Ah non, plus avocat. Juge. Ah ouais, c'est juste. Vous êtes tous les deux des juges. C'est juste. Toi, t'es un ancien avocat. Toi, t'es toujours un avocat. Toi, t'es toujours un juge. Toi, t'es un ancien avocat. Maintenant, t'es devenu un nouveau avocat. Voilà. Un nouveau juge, pardon.
Donc, nous, on a deux juges. On a plus d'avocats. C'est bien. Voilà. Comme ça, au moins, on ne confond pas avec le fruit. Bon. Voilà. Et maintenant, voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Alors, Raoul. Hein? Ouais? Ben, tant mieux. Alors, quoi de neuf? Rien de spécial, non? Hein? Oui, lui n'a pas beaucoup plaidé, c'est bien. Vous avez même en profité pour aller dans le jardin, c'est bien. Mais bon. Hein? Ah oui. Non, pas dans la piscine, hein. La bâche, elle ferme. Quand elle sent qu'il ne fait pas assez chaud dehors, elle ferme. Oui, bon, d'accord. Dehors, il faisait assez chaud, je sais. Mais c'est la bâche, hein. Elle est programmée pour se... Pour allez, quand elle se met, dès qu'elle sent qu'il va pleuvoir, hop, elle se referme. Et dès qu'elle voit qu'on a atteint les 22, 25, 24 degrés dehors, en plein, enfin à Londres, hop, rien. Évidemment, on se met la piscine à l'intérieur, elle sera toujours ouverte, hein. Et plus jamais à l'intérieur, il fait toujours 23. Donc. Mais là, elle saute dans le jardin. Donc là, elle détecte la chaleur du jardin. Hein? Bon, elle détecte aussi le climat du jardin. Donc, c'est-à-dire de la nature. Donc, c'est-à-dire quand il fait pleu, ben, voilà. Et Raoul, bon. Et donc, voilà. Mais c'est bien. Ouais, aujourd'hui, c'est bien. Vous êtes tout le temps dans le jardin, mais ça, c'est pas très grave. Il est là pour ça, le jardin, sinon ça n'a rien à voir avec un jardin. Si c'est pour le regarder de loin. Alors, ouais. Et donc, voilà. J'allais dire. Ah oui. Et à part ça, vous n'avez rien de spécial, hein. Ah non, hein. Non, non, mais ça va bien, les gars. Ah oui, les gars, il y a. Demain, on va se promener, hein. Oui. Bon. Et ailleurs que dans le jardin, hein. Les gars, bon. Oui. Et là, oui, il est où, Arzal? Parce que, faut pas oublier, hein, il est en chasse, hein. Voilà. Il est en chasse pour se reproduire. Hein? Hein? Bon. Ah ouais, mais si on revient. Ah non, c'est juste un mâle. Lui, il revient pas enceinte. Lui, il met fait la graine et puis c'est tout. Et puis il se barre. Ah ouais? Comme fait l'homme. Ah c'est scandaleux. Hein? Bon. Enfin, bref. Et donc. Donc demain on se promène, comme d'habitude. Et le 9, non, on n'est pas encore le 9, hein, les gars, s'il vous plaît. Hein. Et le 9, on ira en Belgique une fois, aller voir la fête du Mamboum. Oui, elle aura lieu. Masqué, ça je ne sais pas, parce que comme c'est dans des rues non commerçantes, le masque n'est plus obligatoire. Donc voilà. Mais on verra, hein. On verra bien. Si c'est masqué, on verra bien. Hein. On verra bien. Hein. On espère comme j'ai fait en 2020. En 2020, hein. On met mon masque comme ça, et je le fais comme ça. Le 29, hop. Avant que lui, il a vu ça. Hop, qu'on a vu que c'est comme ça, que c'est passé comme ça. Donc voilà. Et faut être intelligent dans la vie. Bon. Et donc, ouais, si je mets mon masque sur la bouche et pas sur le nez, et que je mets un cœur, je mets vite les deux sur le masque complètement bien sur la bouche et bien sur le nez, que le cœur, il voit que c'est bien sur la bouche et le nez, et qu'il n'a pas vu que c'était avant que là, il voit du feu, hein. Bon. Tant pis pour lui si c'est pas allez. Un dragon, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais. Qui c'est Raoul?
Ah oui, ça c'est pas très grave, Raoul. Ça, je la connais celle-là. Hein. Elle est vieille comme le monde. Hein. Ouais. Et donc, on va aller voir. Oui, bien sûr, je sais que Milou vient avec un broti. Milou vient à la fête demain, boum, et il vient aussi à la journée sans voiture. Le soir où il vient pas, et vous non plus, parce que vous êtes en train de faire votre tour du monde en kayak, c'est quand j'irai à. Allez. Non, ça n'essayera. Et merde, hein. Il commence à me gonfler les couilles, le virus. Non, ça n'essayera le salon de l'alimentation. Merde, hein. Bordel. Bon. Mais c'est vrai, putain. Il aura. Merde. Mais c'est vrai, hein. Il faut deux qui offrent deux mots. Hasta blift. Bon. Et mettre glemme, ma stinste. Ah bon. Aïon. Aïon. Admen zinst. Bon. Asvun zinst. Bon. Aïe, pas de la bonne ça. Aïe, bon. C'est du néerlandais, pas du flamand. Pour les flamands, ils ont compris. Hein. Les wallons, mais c'est pas grave. Sur les wallons de Namur. Ah ouais, les seuls wallons que j'aime bien, c'est ceux de Namur, de Nivelles, de Dinan. Et de. Allez. Et de Binche. Les autres, je chie dessus, je pisse dessus. Hein. Hein, bon. Il n'a qu'à pas d'en agir, les autres. Hein. Il s'est pas nager dans cette eau-là. Il n'a qu'à s'acheter un sous-marin. Hein. Bon, allez. Hein? Dans la mer, les sous-marins, c'est pour voir les poissons. Dans la rue, c'est pour voir les pierres hein, de la rue, hein, et des, enfin, de trottoir, hein, rien. Bon. Allez, ça va, sérieux. Hein. Et donc c'est bien, Raoul. Ouais, Raoul, t'as fait un effort. Hein. Fais tous des efforts. Hein. Mais toi aussi, hein, et enfin, Jean-Nicolas, votre cousin. Ah, ouais. Ah. Votre neveu, c'est ça, ouais, c'est ça. Hein? Aïe, ah, mais il est bien, ah, c'est bien. Au revoir. Au revoir. Ah, mais vous, ça va, vous faites des efforts, c'est bien. Ouais. Il a mangé, elle n'avait pas de traversée, vous l'avez aidé à traverser, c'est bien. Ça, on va vous donner un cerveau. Bien, hein? Ouais, parce qu'à l'époque, vous n'avez pas de cerveau, vous serez capable d'aider la femme à se faire écraser avec vous. Ça va, hein? Mais là, vous l'avez empêché, vous l'avez aidé de traverser comme il faut. Là, c'est bien. Bien, bon. Au moins, ça vous voit et on voit que vous utilisez de votre cerveau. Hein. Ah, mais au moins. Hein. Bon. Maintenant, on sait que. Maintenant, si on vous met les deux yeux. Maintenant, si on vous met une lumière à côté de vos yeux, ça ne brille plus. Ça veut dire que c'est rempli, que la tête est remplie avec un cerveau. Voilà. Ah, ouais, hein. Ah, mais c'est comme ça, Raoul. Bon. Ah, mais ça c'est sûr, hein. C'est même certain. Ah oui, hein. Ah, tu savais, ah, ben voilà. Maintenant tu le sais, hein. Maintenant tu le sais vraiment. Ah, mais c'est comme ça. Ah, mais le fou, hein, Raoul et Raoul. Oui. Oui, je sais. On n'est pas encore en 2022, mais ça va aller. Enfin, on espère, hein. Ah ouais?
Mais maintenant, tout le monde s'est cassé en vacances. Hein. Alors, il fait moi, il fait calme, mais on verra quand les autres qui sont partis en vacances reviennent. Non, si, non, pour le calme, ça, c'est pas grave. Mais je veux dire, pour la maladie, enfin, pour le virus, rien. Pour le moment, ça diminue. Mais faut voir. Pas maintenant, hein. C'est trop tôt, hein, Raoul. Il y en a qui partent en septembre, qui partent en mois d'août, il y en a qui partent, hein. Non, on verra ça en septembre. On va voir comment les grandes vacances sont déroulées du côté du virus. Pour voir si tout le monde est négatif. Et ceux qui n'étaient pas, on espère qu'ils ont pris, enfin, qu'ils ont respecté la quarantaine, qui est de 10 jours. C'est long, mais c'est comme ça. Et ça va, hein. C'est content quand on ne met pas la quarantaine, qu'on ne joue pas sur les mots de la quarantaine. Dans quarantaine, on entend le mot 40, hein. C'est content que ce n'est que 10 jours, hein. Bon. Hein, bon. Et donc voilà. Ah, mais c'est comme ça. Ah, mais c'est normal, hein, Raoul et Raoul. Et Jean et Nicolas. Hein, ah, ça c'est sûr, hein, la frite. Mais bien sûr, hein, c'est comme ça, la frite. Hein. Hein? Ah, ouais. Quand tu fais comme ça, tu réfléchis mieux. Mais tu n'es plus obligé, Raoul, t'as un cerveau maintenant. Donc tu n'es plus obligé de le faire, mais tu es obligé pour mieux réfléchir. Rien. Bon. Ah, mais c'est comme ça, Raoul. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein? Hein? Ah, oui. Ça. Ah, c'est sûr à certains. Hein? Ah, oui, la frite. Ah, non, maintenant, ça dure une semaine. Avant, ça durait 2 semaines. Maintenant, ça dure une semaine et je sais pas combien. Mais avant, c'était 2 semaines. Ah ouais? Ah mais ça n'a rien à voir avec le virus, hein. Ça date plus longtemps, hein. Que son animation, au lieu de 2 semaines, c'est 1 semaine. Ouais, mais c'est déconné, hein. Ouais, mais ça chie, hein. C'est 1 semaine, c'est pas 2 semaines, ah non, hein, c'est 1 semaine. Je sais pas quand ça commence. On va dire un exemple. C'est en octobre, hein, de toute façon. Disons que ça démarre le 10, et ben ça termine le 17. Ça fait 1 semaine seulement. Oh, mais c'est nul, hein? Imaginons que ça commence le 17, et ben ça terminera le 24. Ça veut dire que ça fait qu'une semaine. Oh, mais c'est nul, hein? Ça chie, hein? Bon. Voilà. Ah, c'est comme ça, hein? Bon. Ah, mais bien sûr, hein, Raoul et Raoul. Ah, mais je vous comprends. Il faut que vous vous plaigniez. Vous attendez de faire le tour du monde. Ah, c'est bien. Oui, en évitant la Chine, l'Angleterre et l'Amérique et la Russie. Ouais. Et l'Italie. Mais à part ça, rien. Ah, mais il faut, hein. Il y a rien. Bon. Et aussi, à part ça, rien de spécial, non, mais tant mieux. Hein. Ah, mais le fort, hein. Ah, ça a toujours été comme ça dans la vie. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Hein. Rien, la vie c'est comme ça. Et on fait tous caca, mais pas poney. Rien. Et on pète un bon coup, ça ira mieux, mais pas poney. Donc voilà, Raoul. Mais bien sûr, Raoul, mais c'est normal, non? Il faut voir la vérité en face, sinon à quoi ça sert. Hein, Raoul et Raoul? Et Jean-Jean et Nicolas. Ah, mais bien sûr, mon gars. Ça, c'est normal, hein? Sinon, ça sert à rien, les gars. Ah, mais non. Ça sert à rien, sinon. Si vous dites là ou si vous faites là, ça veut en même, hein? C'est du n'importe quoi dans du n'importe quoi, hein?
C'est comme jeter du pipi dans du pipi, hein, ça vient même. Hein. Bon, allez. Ah, mais bien sûr, Raoul. Mais bien sûr, ah, mais c'est normal, hein. Ah, mais bien sûr, mais il faut la frite. Ah, mais ça, c'est vrai. Hein. Ah, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Ah, hein. Bon. Et voilà, les aventures, l'histoire de Jeannette, enfin, demain à 22 h. Et là, c'est fini. Maintenant, on se retrouve demain à 22 h. Au revoir demain à 22 h. Au revoir et à demain à 22 h. Et bonsoir à tous et à tous.